venant de la bouche de l'Éternel. Père de gloire, parle à tes enfants. C'est le moment favorable. Pour de toi, rien de nous. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la première fois que nous allons faire une prédication dans cette salle. Nous allons partager quatre textes. Le premier texte, c'est dans Luc, chapitre 1, du 26e verset au verset 35. Le deuxième texte, c'est dans Juges, chapitre 6, du verset 11 au verset 16. Premier texte, Luc chapitre 1, verset 26 au verset 35. Deuxième texte, Juges, chapitre 6, du 11e verset au verset 16. Le troisième texte, c'est dans Josué, chapitre 1, du 1er verset au 9e verset. Enfin, nous allons conclure toujours dans Josué, chapitre 24, du verset 14 au verset 20. Nous commençons par Luc, chapitre 1, verset 26 au verset 35. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Amen, hein? Applaudissez la parole du Seigneur. Le thème de ce matin, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Dans ce texte,